Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros. Alors, cette vidéo fait suite à celle d'hier où nous avons vu, du coup, une expression écrite traitée par une de mes apprenantes, du coup. Et nous allons, du coup, poursuivre cette expression écrite. Là, je vais vous montrer, du coup, comment vous pouvez améliorer votre expression écrite, n'est-ce pas, en utilisant des formules, par exemple, d'expression à l'écrit, etc. OK? Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, première des choses, ensuite liker la vidéo et ensuite partagez-la dans vos réseaux d'apprenants en allemand, des gens qui souhaitent s'améliorer du coup en allemand. Et bien sûr, j'ai pour tous ceux qui veulent s'améliorer, par exemple en compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, donc j'ai créé des guides, donc j'ai rédigé des guides avec toutes les astuces du coup que je conseille à mes apprenants qui font leurs preuves et que je vous conseille également. Donc je les ai remplis dans des guides, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, se procurer ces guides-là, vous m'envoyez un mail du coup via l'adresse dans la barre de description en dessous. Si vous êtes sur YouTube et sur Facebook, du coup, vous verrez du coup mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit mail du coup et je vous transmettrai du coup les tarifs et vous pourrez avoir ces différents guides, etc. Et bien sûr, je vous accompagne également pour un coaching personnalisé, si vous souhaitez vous améliorer, vous préparer par exemple un examen, etc. OK? Alors, c'est parti. Donc, la prochaine phrase ici que je vous propose, c'est, donc du coup, que mon apprenant a écrit, c'est « In 2024 haben wir noch viele Sachen vom KI zu lernen. » Donc ici, donc la phrase, elle est bien formulée, du coup. Donc, juste ici, puisque c'est en allemand « Künstliche Intelligenz », donc ici, c'est « von der KI ». D'accord, donc traduit du coup, c'est künstliche Intelligenz. Donc en anglais, du coup, artificial intelligence. Donc en allemand, c'est künstliche Intelligenz. Dit KI Welt. Donc du coup, le monde de l'intelligence artificielle kann einen großen Domain darstellen. Donc, alors ici, comment je peux mieux formuler? Je peux dire par exemple, die Welt des KI kann vielseitig sein. Donc, du coup, vielseitig sein. Alors, que veut dire vielseitig? Dans le sens de avoir plusieurs facettes, en fait. D'accord? Donc, ici, voilà, je peux le formuler comme ça. Donc, à la place de viele Domain, dans ce sens-là, je peux du coup utiliser le vielseitig. OK? In Zukunft wird KI viele Sachen in unserem Leben wechseln. Donc, ici, donc, dans l'avenir, donc in der Zukunft, pour préciser, du coup, dans l'avenir, je peux corriger, du coup. Donc, ici, le verbe il est mis à la bonne place. Donc, ici, puisque je commence par un complément circonstanciel de temps, je mets le verbe, du coup, en deuxième position. Donc, il est bien mis. Donc, ici, c'est le futur. Mais le AI, je vais le remplacer par le KI, du coup. Donc, in der Zukunft kann, wird KI viele Sachen in unserem Leben wechseln. OK? Mit KI. OK, on va remplacer. Mit KI werden viele Software entwickeln. Donc, du coup, donc voilà. Donc, werden viele Software entwickelt. Donc, ici, elle a utilisé la forme passive. Donc, mais ici, il fallait mettre du coup un participe passé. Donc, ici, ce sera entwickelt, tout simplement. Voilà. Du coup, on va mettre le participe passé à la place de l'infinitif. Und KI werden viele Software entwickeln und anderen Informatik mit. Donc, auf der anderen Seite, d'un autre côté, auf der anderen Seite, du coup, on peut utiliser ça comme expression, werden, donc je vais juste, donc, auf der anderen Seite, werden, genau, donc, viele werden andere, informatische, on peut dire, informatische Programme, tout simplement, vorangebracht, donc mise en avant. Donc ici, voilà, vorangebracht. OK? Donc ici, j'ai pu te formuler en disant off the hand, donc d'un autre côté, plus d'autres programmes informatiques sont mis en avant. OK? Ou encore, je peux mettre werden ins Licht. Inslicht, tout simplement, gebracht. Okay? Donc, sont mis en avant, sont mis en lumière dans ce sens-là. Okay? Donc, je peux utiliser ces deux formules pour améliorer le style de la phrase. Alors, voilà, je vais le mettre en rouge.
Heute können Personen durch KI sprechen mit Personen. Also, ici, donc, ich schreibe donc, heute können Menschen, voilà, mit anderen, voilà, sprechen, voilà. Heute können Menschen mit KI, du coup, mit anderen, donc du coup, des personnes peuvent parler du coup avec d'autres, ou alors miteinander, l'un avec l'autre, tout simplement. Miteinander, ça passe bien. Donc du coup, aujourd'hui, des personnes peuvent parler l'un avec l'autre grâce à du coup à la KI. Donc, du coup, voilà, c'est mieux formulé comme ça. Viele Leute, oder sie können ein neues Rezept lernen, voilà. Oder sie können ein neues das Rezept. Donc ici, on va corriger juste la déclinaison. Donc ein neues plutôt, puisque ici c'est un accusatif neutre. Donc je vais corriger là. Rezept lernen. Viele Lösungen können auf viele Probleme gefunden werden. Ok. Donc très bonne phrase ici où le passif avec les verbes de modalité a bien été utilisé. Voilà. KI. Genau, voilà ça. KI ist die neue Trend, ist der neue Trend, du coup on va corriger. On dit der Trend, du coup, der neue Trend. Voilà. Der sich im Alltag, qui se développe au quotidien, der sich im Alltag entwickelt. Donc ici, on va corriger ça, comme ça. Ok, KI ist der neue Trend, der sich im Alltag entwickelt. Okay. Viele Informatikprofis arbeiten, um zu verbessern und um neue Konzepte zu entwerfen. Donc, du coup, viele Informatiker, tout simplement, oder Profi-Informatiker, on va plutôt mettre ça comme ça, donc, viele Profi-Informatiker arbeiten, comma, on va toujours séparer, du coup, la proposition infinitive du reste de la phrase, arbeiten, zu verbessern, voilà, und neue Konzepte, on va rajouter du coup un E puisque c'est le pluriel, zu entwerfen, pour concevoir du coup, voilà, de nouvelles choses, de nouveaux concepts. KI, voilà, trägt bei, das Leben der Leute zu verbessern. Donc ici, on va prendre das Leben der Leute, parce que du coup, on va le mettre à l'intérieur du groupe infinitif, tout simplement. Donc, trägt bei, comma, das Leben der Leute zu verbessern. Voilà. Wenn und ob sie es möchten. Okay? Quand et, alors, voilà, wann und wenn sie es möchten. Donc, quand et si il le souhaite. Donc ici, on utilise plutôt le wenn parce que c'est une si de la condition du coup. Le ob, c'est le si par rapport à la question. Lorsqu'on souhaite poser une question, on utilise le ob et le wenn, c'est par rapport à la condition. Mais puisqu'il s'agit d'une condition ici, je vais plutôt utiliser le wenn. OK? Donc, KI trägt bei, das Leben von den Leuten. Ici, on va plutôt mettre le génitif, der Menschen, plus simple. Voilà. Das Leben des Menschen zu verbessern, wann und wer sie es möchten. Voilà, ok. Donc voilà un peu comment on peut améliorer ces différentes phrases-là, du coup, pour cette expression écrite-là. Donc pour résumer en fait, donc faites bien attention lorsque vous utilisez bien sûr un adverbe ou alors un connecteur, bien mettre du coup le verbe en deuxième position. Attention également à la déclinaison, d'accord? Vous faites également attention au groupe infinitif, par exemple ici avec le cas de umzu, n'est-ce pas? Pareil, vous voyez ici que j'ai séparé les deux avec une virgule. Voilà. Un neue Konzepte zu entwerfen. Donc, trägt bei. Ici, du coup, beitragen, c'est un verbe à particules séparables. Donc, j'ai séparé. Trägt bei. Ensuite, je mets la virgule et je fais mon infinitif et je fais mes subordonnées, du coup, par la suite. OK? J'espère que cette vidéo vous a aidé, du coup, à peut-être vous inspirer pour vos expressions écrites. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En dessous. Et bien sûr, je reste disponible si vous souhaitez du coup être coaché, passer à un niveau supérieur rapidement dans votre apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.